Qu'on va faire, Cookie. Macron a annoncé ses mesures, nous on va suivre vendredi. Aujourd'hui toute la culture ferme. En même temps on n'est pas surpris, on le savait. C'est comme si toi tout à coup tu avais connu le jardin, les souris, les oiseaux, tout ça, et puis paf, d'un coup on te demande appartement. Bah oui, t'aurais envie de jouer tout le temps, t'aurais envie de manger mes doigts. Bah, je me dis, ceux qui sont tout seuls, peut-être qu'ils devraient tous aller à la SPA, chercher les animaux abandonnés. Peut-être qu'on peut faire une espèce d'arche de Noé, comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Fais la fiesta toute la nuit, Cookie. Bah, pendant le couvre-feu, je pense que les chats s'en donnent à cœur joie. Il faut voir le positif pour une vie de chat. Ils ont un quartier libre, hein. Plus de risque qu'ils se fassent écraser par une voiture, puisque de toute façon, il n'y a plus personne qui roule. Là, je crois vraiment qu'il dort très très fort, hein. Ah oui, là, il dort. Ah non, oui, j'arrête de t'embêter. Finalement, puisqu'on ne sait pas revenir en arrière, peut-être qu'il faut réinventer les choses. Par exemple, je pourrais faire des spectacles en ligne, Cookie. Qu'est-ce que t'en penses? Tu pourrais même être là. Non, c'est pas non plus super excitant. Oui, bah oui, on est d'accord. Alors, je me mets à fabriquer des spéculoos maison. Je ne fais que ça toutes mes journées. Et je les distribue. C'est bon, les spéculoos, tu sais. De toute façon, toi, tu mangerais n'importe quoi, donc...